sud. Nous, nous suivrons la piste de la Malbosse. Allez! Que tu as, mon vieux vaillant? Oh là! Oh l'ami! Eh bien, vaillant, mon brave, ça me fait de la peine de te quitter, mais c'est toi ou moi. Désolé, mais je suis forcé de t'emprunter ton cheval pour un moment. Je crois que je vais t'emprunter ton arme aussi. Où est-ce que tu es blessé? À la cheville. Et puis là et là. Fracture de côte. On t'a donné un coup de pied, hein? Je suis tombé de cheval. Attends, ne bouge pas. Redresse-toi. Remonte ta chemise. Lève les bras au-dessus de la tête. Ça va mieux? Oui, bien mieux. Fichons le camp d'ici. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses? Je n'ai rien à dire du tout. Alors? Hé! Tiens, prends une chic, ça t'aidera à ne pas penser à la douleur. Merci. Allons. Moi, bon samaritain. Comment? Oh, rien, rien du tout.
Ici, c'est leur lettre poste. Ils s'occuperont de toi. Il faut que je garde ton cheval. Je vous le donne de bon cœur et tout ce que vous voudrez en plus. Oh, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que c'en est un de la bande? Je n'ai encore jamais vu ce type-là. Que voulez-vous? Quel est ton nom, l'ami? Edward Creighton. Qu'est-ce que tu fais ici? Topographe. Topographe? Oui, je travaille pour la Western Union. Qu'est-ce que la Western Union? Une compagnie de télégraphie. Nous passerons ici dans un an pour joindre la côte. Je crois qu'il est régulier. Qu'est-ce qui ne va pas? La banque de North Platte a été attaquée. On a tué un homme de la bande, mais les autres ont filé. Je crois qu'on a bien perdu leurs traces. Ah, bon. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, Pierre. Voilà vos béquilles. Maintenant, si je peux arriver à naviguer avec ces machins, je suppose que vous reviendrez bientôt ici avec votre télégraphe. Si tout marche comme je l'entends, je l'espère. Je chasse un peu à la trappe par-ci, par-là. Et je me demandais combien ça coûterait d'envoyer mes peaux jusqu'à Omaha par télégraphe. On n'envoie pas de peaux par télégraphe. On ne peut pas. Non, on ne peut envoyer que des mots. Alors le télégraphe ne me servira pas à grand-chose. Pierre, vous savez, je ne vous remercierai jamais assez, mais... Tenez, ça peut vous être utile. Merci. Ben, bon bol. Hein? Vous pouvez porter tout ça tout seul? Oh, oui, monsieur. Je peux même porter ça aussi. Tony. Tony, je voudrais vous offrir ça avec mes remerciements. Prêt, monsieur Creighton. Merci. Au revoir, les amis. À l'année prochaine. Hula! Au revoir, monsieur Creighton. Hula! 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 Quel brave gars. Ouais, et comment? Mais tu ne crois pas son histoire de télégraphe qui doit passer par ici, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Penses-tu ça n'existe pas, le télégraphe, mon vieux? Mais ça ne fait rien, c'est un brave gars quand même. Ça, c'est vrai. Regarde ce qu'il m'a donné, sa montre et sa chaîne. Ouais. Dis donc, qu'est-ce qu'un bonhomme qui se lève à l'aube et qui se couche à la nuit tombante pourrait bien faire d'une montre? Mais c'est un truc qui est joli à porter. Et à entendre. Oui. Pour les conducteurs terrassiers et charpentiers est de 2 dollars par jour. Et quand nous serons en zone indienne, ce sera 3 dollars. Et chaque homme fournit son fusil. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, OK? Langage du télégraphe veut dire d'accord. Maintenant, si le docteur vous trouve apte au service, vous avez le boulot. Ça va. Ça va. Lève-toi, mon gars. Joli garrot. Je suis pas à cheval. Tu le regretteras peut-être un jour.
Hein? On dirait que t'as du plomb, là, du 11 mm. Tête de flèche indienne, mais ça me dérange pas. Tu sais, certains membres de la corporation médicale ont de ces choses-là, mais moi je dis laissez-les où elles sont si elles ne gênent pas. Est-ce que tu connais le pays où nous allons? À moins de 30 lieues d'ici, on m'a fait cette tonsure en 56. Hein? Joli travail chirurgical. Oh. Qu'est-ce qui te chiffonne? Il a dit que c'était à moins de 30 lieues. Oh, il y a 50, ça. De nos jours, on ne voit plus un Indien de ce côté-ci de la source aux aubépines. Et puis toi et moi, nous toucherons un dollar de plus, hein. Parle pour toi-même, l'ami. Quand je rentrerai à Saint-Jean, je vais y rentrer avec mes cheveux. Au lieu de dire aux copains comment je les ai perdus. Les Indiens ne scalpent pas toujours. Surtout si on les scalpe le premier. C'est pas pour moi. Il me faut du calme et de la tranquillité d'esprit quand je fais ma cuisine. Hein, tu es cuistot? Depuis 20 ans, avec les mêmes cheveux. Et je tiens à les garder encore 20 ans. Messieurs, je vous souhaite le bonjour. Retenez-le! Oh non! Docteur Murdoch? Oui? Monsieur Creton dit qu'il n'a plus besoin de ça. Pose-les-là, va à la cuisine et mets notre bon à rien de cuistot de malheur à la porte. Est-ce que tu sais cuire l'agneau? Il y a 9 façons différentes de cuire le mouton et je les connais toutes. Bouilli, rôti, fricassé. Ça va comme ça. Est-ce que tu le fais cuire avec les poils? Avec les poils, jamais. Oh, on t'embauche. Non, non. Et toi, tu veilleras à ce qu'il ne file pas. Non, rappelle-moi non. De prendre une vieille recette indienne pour faire cuire le chien de prairie. Oh non, j'aurais dû rester à ça. Bonjour, monsieur Patton. Ah, bonjour, Pierre. Eh bien, où est ma sœur, Pat? Oh, elle est allée au corral, monsieur. Nous achetons des chevaux aujourd'hui. Ah. Oh, ils sont pas mal. Qui est auprès de ma sœur, Pat? C'est le type qu'on a embauché comme guide pour s'occuper du bétail, monsieur Creighton. Bonjour, Suze. Édouard, mon chou! Ne me dis pas que tu as lâché le télégramme pour le corps. Édouard, quelle joie de te voir de retour. Qu'est-ce que le docteur de Washington a dit? Mais il a dit que j'étais en pleine forme. Je pourrais aller à Salt Lake sur les mains s'il le fallait. Je suis content. Chaud, voici M. Creighton, le grand patron, le seul homme ici avec qui on doit être poli. Content de vous connaître, Chaud. Vous aurez à faire aux chevaux et au bétail une longue route. Pensez-vous pouvoir y arriver? Je crois que oui. Bon. Viens, Susan, tu es censé être télégraphiste, tu sais. Au revoir, Monsieur Chaud. Au revoir, mademoiselle. Pourquoi si pressé, Chaud? On ne part d'ici que dans 2 jours, vous savez. Moi, je pars ce soir. Pourquoi? Vous savez pourquoi. Je préfère être seul. Le meilleur moyen d'être seul, parfois, c'est d'être dans la foule. C'est bien ce que je pensais, moi, avant de tomber sur vous. Il y a de l'avenir pour vous à la Western Union. C'est vrai? Je crois que oui. Ça dépend de vous. Vous ne me devez rien. Comment le pourrais-je? Je ne vous avais jamais vu. Content de vous connaître, monsieur Creighton. Tenez. Prenez-en une bonne chic. Ça vous aidera à vous remettre de vos émotions. Merci. Un moment, cher ami.
Merci beaucoup. Je voudrais voir M. Creighton, je vous prie. L'autre bureau. Merci. Faut mettre un nœud à gommeux. Oh, c'est comme ça que... Non, ce n'est qu'un point, comme ça. Vous, vous en avez fait deux, comme ça. Mais j'ai pas fait ça du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi vous voulez parler. Non, mais moi, je sais de qui vous parliez. La prochaine fois, faites... Monsieur Creighton? Mais oui, c'est moi, Creighton. Je suis Richard Blake, je viens prendre mon poste. Oh, enchanté, monsieur Blake. Mais je vous attendais par la diligence. Eh ben, c'était si bondé, on était si secoué que j'ai acheté une calèche et fini le trajet par mes propres moyens. Mais, oui, c'est bien plus confortable comme ça. En effet. Oh, monsieur Blake, je vous présente Homer Kettel, mon assistant, et Pat Grogan, notre contremaître. Je suis enchanté, messieurs. Comment ça va, mon gars? Ravi de te voir, Blake. Dites, la fin du trajet a dû vous sembler monotone. Eh bien, je ne m'en suis pas soucié autant que de la poussière. Je prendrai bien un bain. Un bain? Oui, vous n'approuvez pas ça? Ben, quand il fait chaud et qu'on est près d'une rivière, j'ai rien contre ça. Eh bien, quel genre de travail aimeriez-vous qu'on vous confie, monsieur Blake? Mais n'importe lequel. J'ai eu des notions de mécanique au collège et je connais le morse à la perfection. Eh bien, je crois qu'on pourra vous trouver quelque chose. Pour l'instant, pourquoi ne feriez-vous pas un saut à l'hôtel pour prendre votre bain? Nous bavarderons un peu plus tard. Oh oui, merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Et à vous, mon brave. Mais espèce de... Oh là! Oh, monsieur Blake. Oui? Je suis navrée. Navrée? Parce que je comprends l'alphabet morse? Oui. Non, je veux dire que... Voulez-vous m'excuser? J'ai à travailler. En tout cas, je suis ravie de vous connaître, mademoiselle Creighton. Vous êtes bien la sœur du patron, n'est-ce pas? Oui, comment le savez-vous? Comment je le sais? Vous avez le même regard profond. Est-ce l'influence des vastes horizons de l'Ouest? Non, la rencontre de gens venant de l'Est. Eh bien, certaines de ces gens insistent pour vous rencontrer à nouveau. Alors, je ne vous dis qu'au revoir. Oula, oh, oh. Là, voyez. Merci beaucoup. Oh, à propos, pourriez-vous m'indiquer le chemin de l'hôtel? C'est dans la grande rue. Prenez la première à droite et c'est deux rues plus loin. Je vous remercie beaucoup. Une petite minute, jeune homme. Savez-vous qui je suis? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis le gouverneur provisoire du territoire du Nebraska. C'est vrai? Eh bien, quand vous vous présenterez aux élections, je voterai pour vous. Vous ne votez pas pour un gouverneur provisoire, il est nommé par le président. Oh, eh bien, la prochaine fois que j'irai à Washington, je dirai un mot pour vous. Attention! Veux-tu avoir l'obligeance de me dire ce que c'est qui vient de passer par ici? Non, c'est le fils de ce vieux dur à cuire d'Arad Blake qui a fait fortune comme pionnier dans le Cumberland Gap en 34. Arad Blake? Ça? Oui, son père pense qu'en travaillant à la Western Union, ça pourrait en faire un homme. Faire un homme? Quand j'étais dans l'Est, Arad m'a donné 50 000 dollars pour la ligne. Oh, je vois. Tu as dû prendre le fils Tom Prime. Dieu du ciel, je n'ai pas la berlue. Eh bien, me voici. Prêt pour le travail. C'est ce que je vois. Où avez-vous acheté ce costume ici? Ah non, à New York. J'ai voulu que ce soit fait sur mesure. Pas mal, hein? Blake, voici Shaw, notre guide. Enchanté. Bonjour. Tiens, un joli lot de chevaux que vous avez là. Heureux qu'il vous plaise. Vous montez? Ah oui, oui, certainement. Ce ne sont pas des animaux de parade. Il y en a qui sont difficiles. Eh bien, c'est comme ça que je les aime. Voulez-vous m'en choisir un, je vous prie? Mais, avec plaisir. Essaye voir le noir là-bas. Par ici. Excusez-moi. On ferait bien de prévenir le docteur Murdoch.
Doucement, doucement, mon petit. Oui, excellent petit cheval, messieurs. Vous n'avez pas autre chose que vous voudriez que j'essaie? Là. Un petit cadeau pour vous, Homer. Un sacré bavard, n'est-ce pas? Et un sacré cavalier. Bonsoir, M. Blake. Bonsoir. Mon frère n'est pas là en ce moment. Tant mieux. Mais asseyez-vous donc. Merci. Bonsoir, M. Blake. Bonsoir. Eh bien, je crois qu'il va falloir que je me sauve. Oh, déjà? Oui, je suis venu pour vous souhaiter une bonne fête nationale. Mais ce n'est que demain. Je pensais bien être le premier, mais je vois que non. Vous êtes venu pour ça aussi, Monsieur Shaw? Mm-hmm. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que je me sauve, moi aussi. Bonne nuit. À tous les deux. Merci de votre visite. Bonne nuit. Adios. Bonne nuit. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais vous vous en êtes bien tiré tantôt sur ce cheval sauvage. Ce n'était pas trop dur. On vous a donné le plus vicieux du lot. Vous faites toujours comme ça avec tous les bleus, n'est-ce pas? Oh, ça dépend du bleu. Eh bien, je regrette de vous avoir tous déçus, mais je savais monter à cheval avant de savoir marcher. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous venez de mon côté? Une ligne télégraphique transcontinentale a toujours été le rêve des Américains. Maintenant, ce rêve va devenir une réalité. Une belle réalité. Qui permettra de triompher de l'espace et de l'isolement. J'ai maintenant le très grand plaisir de présenter l'ingénieur en chef de la Western Union, M. Edward Creighton. Je viens de recevoir un message qui... je crois mieux qu'aucune de mes paroles vous expliquera l'importance de notre tâche. Je voudrais souhaiter bonne chance et succès à l'entreprise qui cimentera l'union de nos États en ces heures graves de notre histoire. Il est indispensable que le gouvernement ait de rapides liaisons avec l'Ouest. Le message est signé Abraham Lincoln.
suis heureux. Comme tout homme qui voit son rêve commencer à se matérialiser. Je sais. C'est ce qui prouve l'avantage qu'ont les hommes sur les pauvres femmes. Mais n'oublie pas que tu as une tâche, toi aussi. Au revoir, Suze. Au revoir, que Dieu te protège. Quelque chose me dit que je vais regretter Omar. Moi aussi. Désolé, mademoiselle Creighton, mais je crois qu'il faut nous dire au revoir. Au revoir, monsieur Blake. Vous prendrez soin de mon frère, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux, mademoiselle. Vous ne voulez pas qu'il prenne soin de moi aussi? Je m'en charge aussi. Adios, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. J'abandonne Cheyenne, la montagne est mienne. Adieu ma plaine, j'abandonne Cheyenne. Adieu ma plaine, j'abandonne. Hé! Hey! Hé! Hey! C'est beuglé, regarde où tu vas! À peine parti d'Omaha, et me voilà déjà infirme. Mes amis, nous ne marchons pas mal, trois lieues en deux jours, mais nous devons faire encore mieux. Ici, nous sommes dans la plaine, et chaque minute doit être comptée, parce que bientôt, nous allons être dans les collines, et il pourrait y avoir de l'imprévu. Voilà, c'est tout. Et maintenant, allons tous nous coucher. Demain, eh bien, nous nous remettrons au travail de bonne heure. Bonsoir, monsieur Chou. Bonsoir, mademoiselle. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous voir. Il y a eu quelque chose? Non, rien du tout. Nous ne sommes qu'à quelques lieues, alors j'ai pensé que... Bon. Asseyez-vous. Merci. N'est-ce pas, j'avais quelque chose à régler et je... Bonsoir, monsieur Chou. J'avais quelque chose à régler aussi. Oh. Eh bien, au moins, vous deux, vous ne serez pas seuls pour le retour. Appelez le docteur. Vite. Cherchez le docteur. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a l'air assez grave. Père Père, les Indiens ont pris le bétail. On a fait pour le mieux. J'en suis sûr. Où est Franck? Ils l'ont tué. C'est maintenant qu'on va toucher ce dollar supplémentaire. La balle t'a transpercé. Ça ne devrait pas nous donner beaucoup de mal. Transportez la sous-ma-tante, les gars. J'y verrai plus clair pour travailler. Prends une de ses jambes, puisque il ne donnera pas de coup de pied. Dommage, Herbert était un vrai chic type.
Il n'est pas encore mort. Non, mais je parie ma paye de la semaine qui ne passera pas la nuit. Je tiens le pari. Bat, ont-ils volé tout le bétail? C'est ce qu'on dit, monsieur. Je ne comprends rien du tout. Nous sommes en pays pony et les ponies ne volent pas le bétail quand les buffles abondent dans la région. Croyez-vous que c'était des pillards? Je ne sais pas, je vais aller voir. Combien d'hommes est-ce qu'il vous faut? Aucun. Vous ne comptez pas pouvoir ramener le bétail tout seul, n'est-ce pas? Je ne compte pas déclencher une guerre avec les Indiens non plus. Faut d'abord trouver à quelle sorte de gibier nous avons affaire. Très bien. Doublez la garde cette nuit, Pat. Bien, monsieur. Venez, Homer, je voudrais que vous appeliez Fort Kearney. Chaud. Une petite minute. Vous leur courez après? Oui. Si ça ne vous fait rien, j'irai avec vous. Désolé, mais ce n'est pas le genre d'affaire qu'on donne à un bleu, aussi d'attaque qu'il puisse être. Comment va-t-il, docteur? Meilleure chance la prochaine fois, docteur. Que tu reviendrais tôt ou tard. Eh bien, tu nous as manqué depuis l'affaire de la banque à North Platte. Où étais-tu, Missouri? Non, Omaha. Omaha? Ce n'était pas un peu risqué? Non, pas trop. Ma tête y est moins connue que la tienne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille pour la Western Union. Je viens chercher le bétail que tu as volé. Que veux-tu dire, volé? Nous sommes des soldats qui se battent pour la Confédération. Ce déguisement que vous portez ne ressemble pas à un uniforme. Non, nous faisons de la guérilla sous les ordres du général Mosby. Il vous fait habiller en indien pour voler du bétail? Quoique ça ne te regarde pas, oui. Et ce sont mes soldats, tout comme ceux de Mosby. Je fais ce que je crois utile pour aider la cause. Tu aiderais bien mieux la cause en allant dans le sud, t'engager dans l'armée. Tu parles comme si tu oubliais où tu es né, Vance. Tu es du Missouri, tout comme moi. Iras-tu combattre tes propres frères? Quand ils se révoltent contre leur propre pays, alors ce ne sont plus mes frères. Ben, ce sont les miens. Et ils ne veulent pas de ce télégraphe nordiste. Et tant que je serai vivant, on ne l'installera pas. Tu ne tirerais pas quelques bénéfices de tes exploits militaires? Ben si, ça peut rapporter. Toujours prêt à combiner l'utile à l'agréable. Je veux ce bétail, Jacques. Tu te rends compte de ce que tu auras à faire pour leur prendre, n'est-ce pas? Tu gagnes, pour l'instant. Une petite minute. Qui me dit que tu ne vas pas nous dénoncer à Creighton? Personne. Suppose que je ne te laisse pas partir. Pourquoi ne pas essayer? Ah, allez, va. Adios, Jacques. Que crois-tu qu'il va faire? Que peut-il faire? Au point où il en est?
Monsieur Cretton. Oui. Ces sauvages païens nous ont nettoyés. Qu'est-ce que je vais dire aux hommes quand ils se mettront à hurler pour dîner? Eh bien, Herman, dis-leur que nous nous remonterons en bétail dès que nous le pourrons. C'est plutôt vague comme réponse à faire à un homme qui a le ventre creux. Eh bien, ils devront se serrer la ceinture pendant un jour ou deux. Avez-vous jamais essayé ça à un type qui est déjà assis à table et qui a sa serviette autour du cou? Je l'ai fait une fois. Laissez-le et donne-lui à manger, Joe. Pour le bouchonner? Je m'en occuperai moi-même. Avez-vous pu retrouver leurs traces? Au-delà de la rivière, à 10 lieues. Des Indiens? Oui. Eh bien, rassemblez des hommes et on va y aller. C'est une bande de Dakota, 200 ou 300 guerriers environ. Je leur ai parlé. Ils ne savent donc pas que ça peut leur coûter cher de voler notre bétail? Ils savent qu'il n'y a pas de soldats par ici. J'ai voulu les raisonner, mais il n'y a rien eu à faire. Je vous conseille de considérer les bœufs comme offre de paix aux Indiens et de vous en tenir là. Cependant, comme j'avais la charge du troupeau, je trouve que c'est ma faute s'ils ont été volés. La meilleure chose que je puisse faire, c'est de vous quitter. C'est ridicule, Shaw. On ne peut pas vous tenir responsable pour une chose comme ça. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. C'est vous le patron. Suze! Bonjour, Edouard. Bonjour, Monsieur Shaw. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Au nom du ciel, que viens-tu faire ici? Je suis le nouveau télégraphiste que tu as demandé. Tu... C'est vous qui avez combiné ça? Ben, j'ai télégraphié à Omaha, mais je ne savais pas qui on enverrait. Je parie que non. J'ai l'impression qu'ici, personne ne tient à moi. Conducteur, quand repasse la diligence pour Omaha? Dans une heure ou deux. Tu repars tout de suite pour Omaha, mademoiselle, et tu y resteras jusqu'à ce que je te rappelle moi-même. Je n'y peux rien du moment que tu me renvoies. Mais je ne regrette rien puisque je t'ai vu. Allons, allons, pas de pommard. J'aimerais vous montrer notre florissante capitale. Vous avez besoin d'un guide pour ça, vous savez. Très aimable à vous, Blake. Mais je voudrais que vous alliez de l'avant avec les voitures. Mais... Shaw, vous serez responsable de ma sœur tant qu'elle sera ici. Et vous vous assurerez qu'elle prendra la diligence sans faute. Ce sera avec plaisir, monsieur. Eh bien, je... Je dois partir, il me semble. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur Blake. Je regrette que vous ne puissiez rester. Moi aussi. Mais c'est comme ça dans le télégraphe, vous savez. Suze, est-il responsable de ça? Oh non, non, pas tout à fait. J'avais très envie de te voir, franchement. Nous serons à Salt Lake avant de nous en rendre compte. Oh, je l'espère. Eh bien, je dois partir maintenant. J'ai des hommes qui m'attendent à la tête de... Oh, déjà, j'avais 1000 choses à te demander. Et moi, j'ai 1000 choses à m'occuper. Au revoir. Au revoir, Edouard. Et rappelle-toi, la prochaine fois que je viendrai te rendre visite, que je suis ta sœur unique et que je t'aime. Oui, oui. Je trouve qu'il est épatant. Toute la famille est comme ça. La voilà. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un message que mon frère m'envoie de la tête de ligne. Il dit pas encore parti. Qu'avez-vous répondu? Non. Oh. Merci. C'est très joli. Mon frère prétend même que ça me ressemble. Mais bien sûr, il est de parti pris. Non, mademoiselle, pas cette fois. Parle. Oh. C'est calme depuis que l'équipe est partie. Je suppose qu'il se passera 50 ans avant que Sinkin Wells revoie une telle agitation. Comme moi, après le départ de la diligence. Oh, j'espère que je n'ai pas dit une chose que je n'aurais pas dû dire. Pas du tout. Bien sûr, je sais que je n'ai aucune chance à côté d'un garçon comme Blake, mais... C'est pas plutôt à moi de décider ça.
J'aurais dû faire votre connaissance il y a 2 ans. Pourquoi? J'ai fait des bêtises depuis. Des bêtises peuvent se réparer? Pas toujours. Diligence passe pas du chemin de fer qui va à Saint-Jean? Parfaitement, l'ami. Mon gars, tu es un voyageur. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite promenade, histoire de nous mettre en appétit? Mais je n'ai pas envie de me promener et je n'ai pas envie de manger. Mais pourtant, c'est justement ce que tu vas faire. Je ne vous reverrai peut-être plus. Ne dites pas ça. Je vous verrai à Salt Lake. Peut-être. De toute façon, je penserai à vous. Ceci peut vous y aider. Au revoir. Au revoir, Suze. Je crois qu'on va avoir une visite. Monte à cheval et préviens les autres. Vite, Jimmy, Eddie, il faut regagner le camp, les Indiens. Une bande de Sioux arrive. Eh bien, tu ne prends pas la mauvaise direction. Il faut que j'aille prévenir les hommes au camp. J'étais sur le point de faire ce branchement. Peut-être que ça irait plus vite si on les prévenait par télégraphe. C'est-à-dire, à moins que tu souhaiterais pressé de partir d'ici. Allez, avance. Prends le manipulateur et je ferai le branchement pour toi. Dépêche-toi! T'en fais pas, fiston, je vais pas laisser les Indiens t'attraper! Braquez vos camions pour qu'on se retranche derrière si besoin est! Nous nous défendrons ici! Monsieur Creighton!
Indiens. Ils ont attaqué la tête de ligne. Les Indiens, ils ont attaqué la tête de ligne. Il faut que j'y aille. Non, reste là, Patibet. J'en finisse. À la tête de ligne, tout le monde. Engaine ça, t'en auras pas besoin. J'en suis pas si sûr. Moi si. Et jusqu'à ce que M. Creighton soit là, c'est moi le chef. Ne tirez pas, ils vont s'arrêter. Au. Au. Whisky. Pas whisky pour frère indien. Toi, donne whisky. Pas à voir. Hein? Moi, chercher. Laissez-les faire. Une saleté de peau rouge. S'ils ne tenaient qu'à moi, je leur trouverais leur sale peau. Laisse-moi faire. Doucement. Hé, hey, ne touche pas à ça. Reste là, je vais le lui reprendre. Laisse ça. Ah, moi-même. Bonne médecine. Pas garder. Ne tire pas, je m'en charge. Hourra, les voilà, ils arrivent. Je devrais te flanquer une correction. Je suppose que c'est pour me remercier d'avoir voulu t'aider. Quand j'aurai besoin de ton aide, je te le ferai savoir. Si jamais tu as besoin que je t'aide encore, il faudra venir me supplier à genoux. Il y a des Indiens qui attaquent le camp. Thank you.
Merci, Charlie. À votre service, docteur. Je crois que vous allez perdre ce malade. Pas si je suis aussi bon docteur que tu sais manier cette machette. Je m'en ficherais pas mal si ce n'était qu'un indien, mais c'en est pas un. Quoi? J'ai jamais vu d'indien comme ça. Il faut que je sauve ce type-là. Monsieur Creighton voudra sûrement lui poser quelques questions. Oh, docteur! J'ai besoin d'une consultation médicale et j'en ai besoin d'urgence. Tu es blessé, Herman? T'occupe pas! Eh bien, alors, qu'est-ce que tu veux? Affaire personnelle. Et il faut que ça demeure personnel. Eh bien, notre Indien blanc n'a pas tenu le coup, Monsieur Creighton. A-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il m'a servi quelques injures pendant que je recousais. Bon, enterrez-le immédiatement. Je ne veux pas que les hommes apprennent ça pour le moment. On est déjà en train de l'aplatir à coups de pelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Shaw? Je ne sais pas. Vous avez des idées? Non. Vous dites que ces Indiens que vous avez vus ce matin étaient sous. Oui. Un homme blanc déguisé en Indien a participé à l'attaque contre le campement. Ça veut dire que l'homme blanc a saoulé les vrais Indiens et les a poussés à nous attaquer. Ce ne sont pas tous des nordistes ici. Apparemment, non. Vous êtes sûr que ces Indiens qui ont pris notre bétail à Sinking Wells étaient bien des Indiens? En tout cas, ils leur ressemblaient. Très bien, c'est tout, mes amis. Reprenez votre travail comme si de rien n'était. Shaw, vous prendrez la place de Grogan comme contremaître. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une grosse responsabilité. Merci, Monsieur Creighton, mais je ne peux pas accepter. Je n'ai pas assez d'expérience. Vous avez plus d'expérience que n'importe quel homme de l'équipe. Je voudrais bien, seulement... Vous n'allez pas chier en un tel moment, n'est-ce pas, Shaw? Il faut que quelqu'un se charge de l'équipe et nous trouve de nouveaux chevaux et... Oh, ça, je pourrais le faire. On devrait trouver 60 ou 70 bêtes à Sage. Alors, vous acceptez? Du moment que vous insistez, Monsieur Creighton. J'y tiens absolument. Nous irons en ville demain et nous acheterons tout ce que nous pourrons. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourrais-je vous parler une minute, monsieur? Bien sûr. Je n'aime pas m'en mêler, monsieur, mais je crois que nous faisons une grave erreur. Oui? Je sais que vous avez confiance en Shaw, vous venez de le nommer contremaître. Et sans nul doute, il l'a mérité. Venez-en au fait, Blake. Eh bien, il me semble que si nous voulons jamais terminer cette ligne, nous devons agir autrement que nous ne l'avons fait jusqu'à maintenant. Que voulez-vous dire? Vous savez, je ne cherche ni bagarre, ni discussion, mais voyez ce qui est arrivé au bétail. Ce qui est arrivé aujourd'hui, je suppose que Shaw connaît son affaire, mais la façon dont il a laissé ses Indiens nous rudoyer donnerait à penser qu'il l'a fait délibérément pour les encourager à recommencer. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans l'Ouest que je ne comprendrai jamais. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, je crois que nous n'aurons pas à aller plus loin. Venez. Bonjour, Vince. Bonjour, Jacques. C'est vous, Creighton, de la Western Union, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Mon nom est Jacques Slade. Un bon lot de chevaux, n'est-ce pas? Oui, très bien. Vous n'en seriez pas acheteur par hasard? Ça se pourrait. Combien demandez-vous? $5,000 et ils sont à vous. Notre camp a été pillé hier par des Indiens. Ils ont pris tous nos chevaux. Alors, ceux-ci font tout à fait votre affaire. Je comprends, ce sont les nôtres. Hein? Je dis, ce sont les nôtres, on nous les a volés. Écoutez, Creighton, vous ne m'accusez pas d'être un voleur de chevaux, n'est-ce pas? Non, j'attendrai d'abord vos explications. J'ai acheté ces chevaux à une bande d'Indiens. Ils m'ont pas dit d'où ils les tenaient. Vous ne l'avez pas demandé? Non, pas du tout. Ici, quand on traite un homme de voleur de chevaux, vaut mieux en avoir la preuve. J'ai acheté ces chevaux en toute bonne foi et j'entends les vendre de même. Eh bien alors, je crois que je vais faire agir la loi. Ben, faudra que vous retourniez aux mains pour ça. La loi n'est pas encore ici. Je ferai la loi moi-même.
Ça ne ferait pas très bonne impression. Western Union qui pendrait des hommes blancs pour ce qu'une bande d'Indiens a fait. Vous avez réponse à tout, n'est-ce pas? Machaud, là, pourrait peut-être vous en dire un peu plus long. Il connaît la région à fond. Ce qu'il dit est vrai, Monsieur Creighton. Au moins, c'est vrai ici. Très bien, je vais vous donner les 5000 dollars parce que j'ai beaucoup de travail à faire et pas le temps de me disputer. Je vous paie en escomptant qu'avec ces 5000 dollars, vous nous laisserez tranquilles. Mais si vous attaquez encore la Western Union, le prochain paiement sera fait à coup de fusil. C'est clair? Écoutez, préparez un reçu. Je viendrai vous retrouver au cabaret dans un quart d'heure. Allons-y. Vous deux, vous avez l'air de vous connaître assez bien. Oui, c'est vrai. Vieux amis? Plus ou moins. Nous avons été élevés tous deux dans le même coin du Missouri. Que vous prenez? Je prendrai le reçu. Le voilà. Très bien, voici une traite sur la banque d'Omaha de 5000 dollars. Vous pouvez le vérifier par télégraphe. Ah non, j'ai confiance. Je suppose que vous vendez du bétail aussi. Bah, pas en ce moment, mais... Mais si vous êtes acheteur... Simple question. Bah, Monsieur Creighton, c'est un plaisir de traiter avec vous. Seulement une fois. $5000, c'est pas mal, tu t'en es bien tiré. Ouais, et je n'ai pas encore dit adieu à Monsieur Creighton. Non? Non, et par-dessus tout, je veux lever mon verre à la Confédération des États sudistes d'Amérique. S'il n'y avait pas de Confédération, il n'y aurait pas de guerre. Il y a de quoi lever son verre, hein? Oui, mais je tu crois sais, que... On peut faire durer une bonne chose très longtemps si on ne la gâche pas. D'ailleurs, je suis patriote. Êtes-vous M. Creighton? Oui, c'est moi. Capitaine Harlow, du Fort Laramie. Bonjour, capitaine. J'ai peur de vous apporter de mauvaises nouvelles. Le chef Bufflardan, les Ogallalassieux, vous fait dire que vous ne pourrez plus faire passer votre ligne par son territoire. Non, pourquoi pas? Un homme de votre équipe a blessé son fils hier. Ils étaient sous, capitaine. Ils ont attaqué notre camp aussitôt après et ont tué plusieurs de mes hommes. Bufflardan affirme qu'aucun de ces Indiens n'a tué d'hommes blancs. Des renégats ont saoulé quelques jeunes braves et les ont incités à l'attaque en leur promettant encore du whisky. Les renégats étaient des tueurs. Aussi, le chef estime-t-il que seuls les blancs sont coupables. Qui sont ces renégats? Bufflardan dit qu'il n'en sait rien. Indien ou non, je continuerai à construire ma ligne, capitaine. Le gouvernement compte dessus. Je comprends très bien, Monsieur Creighton. Washington m'a déjà notifié de vous donner toute l'aide que je pourrais, mais malheureusement, presque toute ma troupe a reçu l'ordre de rejoindre l'armée du Potomac. Du reste, qui dit guerre indienne dit massacre. Vous ne voudriez pas ça? Bien sûr que non. Nous tenons le frère de Bufflardan à Fort Kearney comme otage en gage de la bonne conduite de la tribu Ogallala. Je pourrais essayer de faire pression sur lui, peut-être que dans 2 ou 3 semaines... Non, je ne peux pas attendre. Comprenez, l'hiver approche et à partir de maintenant, chaque journée compte. Si je pouvais parler au chef, peut-être pourrais-je le faire changer d'avis. J'ai peur que ce ne soit trop risqué. Après ce qui s'est passé, il vous faudra vous rendre sur son territoire seul ou accompagné de 2 hommes tout au plus et sans armes. Même alors, on ne peut pas dire ce qu'il pourrait faire. Eh bien, nous devons courir ce risque et avec votre permission, on le fera. Merci. Allons, fringant.
Ils ont l'air sinistres, n'est-ce pas? Attention de ne pas mêler vos fils. Quoi que nous fassions, faisons-le vite. Les Indiens ne sont pas réputés pour être très patients. C'est lui. Hein? Branche les fils, vite. Oh! How? Maske no de dare no ne. Il dit que vous venez en paix aujourd'hui, mais que la paix mourra si vous faites passer le fil chanteur par le territoire Ogalalla. Eh bien, dites-lui que le grand chef blanc qui parle avec l'éclair à travers le fil chanteur est désolé que son fils ait été blessé, mais que la parole éclair est une puissante médecine et doit passer. Anoa sedwane. Osses wo yen je awok. Kayen dion, unu wasetki. Il dit que les Ogalala ne croient pas que les fils chanteurs soient une puissante médecine. Demandez-lui s'il laisserait 10 de ses plus courageux guerriers tenir le fil chanteur. C'est-à-dire quand il aura vu que c'est sans danger. Il dit oui. Il demande pourquoi nous versons de l'eau par terre. Oh. Bah dites-lui que nous devons faire un sacrifice au dieu de la pluie qui est frère de l'éclair. Buflardan voit le rapport qu'il y a entre les dieux. Maintenant, tenez le fil chaud et expliquez-lui que c'est une bonne médecine pour nous, mais que c'est mauvais pour nos ennemis. Donc quoi de si un nez? Néon, wadigadon. Oh, pas mon affaire. Oh, bako. Lâchez le courant. Ça suffit. Il dit que les éclairs du grand chef blanc sont la plus puissante médecine qu'ils aient jamais vue, que le fil chanteur peut traverser son territoire en paix. Eh bien, dites-lui que je lui promets que le fil chanteur sera une bonne médecine pour les Ogalala aussi contre leurs ennemis. Il dit paix, paix. Et maintenant, allons-nous-en d'ici avant qu'ils aient changé d'avis. Eh bien, moi, j'étais persuadé depuis le début que tout se passerait très bien, pas vous? Bien sûr, je n'en ai jamais douté. Allez!
Mes amis, je vous ai réunis ce soir pour vous donner de bonnes nouvelles pour changer. Nous sommes à la dernière étape. Encore un effort et nous serons au bout de notre tâche. Vous vous y êtes tous donnés à fond. Aussi, quand nous atteindrons Salt Lake City, chacun touchera 2 mois de salaire supplémentaire à titre de prime. Et ce soir, double ration à souper pour tout le monde. À la soupe! À la soupe! Jacques voudrait te voir, Vance. Pourquoi? C'est une question de vie ou de mort. Il a une explication en ville avec un type qui lui a flanqué une balle dans le ventre. Où est-il? À une demi-lieue d'ici, à peine. Très bien. Je te rejoindrai de l'autre côté du camp. D'accord. Ce sont les ordres. Allons. Prenez les chevaux, les gars. Ça avance. Prends pas cet air furibard. Je t'ai fait venir ici pour t'éviter d'être rôti. Je vais faire flamber la Western Union cette nuit. Elle ne voulait pas que t'en fasses partie. Tu es vraiment trop bon. Mais dans le temps, t'étais des nôtres, et moi, je te considère toujours comme tel. T'as tenu ta langue et t'as été régulier. J'ai pas voulu qu'il t'arrive quelque chose. Ne fais pas l'idiot, Jacques. Tu ne peux pas combattre une chose aussi puissante que la Western Union. Mais c'est pure folie. Ben, moi, je ne trouve pas. Si ça ne marche pas cette nuit, je trouverai autre chose. Je les arrêterai, même si je dois arracher chaque mètre de leur fil d'ici à Omaha. Marches-tu avec nous, oui ou non? Écoute, Jacques, je vais te donner le meilleur conseil que tu aies jamais reçu. Ouais? Laisse la Western Union tranquille. Je ne la laisserai pas tranquille avant de lui avoir fait payer 10 fois chaque mètre de fil qu'elle aura posé. Mais ça vaut mieux que de posséder une mine d'or. Voler le bétail, voler les chevaux, brûler le camp. Puis, quand ils auront besoin de chariots, de chevaux et de bétail, nous serons là prêts à leur en vendre. Tu es fou, Jacques. Tu ne peux pas lutter contre une chose aussi grande que ça sans te faire pendre. Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu as le moindre bon sens, tu te joindras à nous. Voici ce que je te propose. Tu vas venir avec nous et je te donnerai la moitié de ma part. C'est entendu à une condition. Ouais. C'est que tu renonces à ton projet d'incendie et que tu rentres au Missouri avec moi. Nous nous engageons chez Mosby pour faire de la vraie guérilla. Ficelez-le, les gars, et fort! Tu es toujours décidé à ne pas venir avec nous? Pas cette fois. Très bien. Venez, les gars. Thank you.
J'ai cherché partout, monsieur Creton, mais je n'ai pas pu le trouver. C'est bien, je le verrai demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est chaud que vous cherchez? Oui. Je l'ai vu quitter le camp à cheval il y a à peu près une heure. La broussaille est si sèche qu'elle flambera comme du papier. Soyez certain d'encercler tout le camp. Chaud ce soir. Laissez tout ça! Sauvez les isolateurs! Allez les gars, filez d'ici.
Charlie, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu as, Herman? Un petit accident? Non, quand le feu s'est mêlé chez les bottes, il a couru si vite que son falzard n'a pas pu le suivre. Alors voyons, Cuiston, ne sois pas méchant. Tiens. Mange ton rata bien sagement. Tiens. Mange ce petit morceau, tu veux? Là. Alors, c'est pas bon? Je ne savais pas que tu étais revenu à temps pour être brûlé. À toi, fiston. Oh, chaud. Voulez-vous venir sous ma tente? Je voudrais vous parler. Merci, docteur. Vous avez déjà vu ça? Non. Chaud, depuis très longtemps déjà, je m'attendais à ce que vous parliez, mais en vain. Je vous ai donné votre chance. La seule conclusion que j'en tire maintenant, c'est que je me suis trompé sur votre compte. Vous savez que je n'ai rien dit quand le bétail a été volé. Et je n'ai rien dit non plus lors de ce marché de chevaux à Sèges. Mais votre absence de cette nuit est une chose que je ne peux pas admettre. Maintenant, une fois pour toutes, je veux la vérité. Très bien, prenez vos affaires et partez. Que je ne vous vois plus. C'est tout? Oui. Tiens, je vois que tu nous quittes. Oui, pour de bon. Après mon départ, je voudrais que tu me rendes un service. Un service? À toi? Dis à M. Creighton que Jacques Slade est mon frère. Ton frère? Je voulais le lui dire moi-même, mais quand il s'agit de son propre frère, on n'a pas grand-chose à dire. Je vais à Elkville régler une petite affaire. Dis à M. Creighton de ne plus se faire de mauvais sang. Jacques Slade n'embêtera plus la Western Union. Avec plaisir, l'ami. Il est libre, Jacques, et il est en ville à ta recherche. Tout seul? Oui. On reste là. Très bien. Si vous voulez m'excuser, je pense qu'il faut que j'aille dîner. Mets-moi cette serviette et au travail. Eh oh, mais ma femme est à cheval sur la ponctualité et je demeure très loin d'ici à l'autre bout de la ville. Affaire, mais fais ce que je te dis de faire. Bien, monsieur. Et fais attention à ne pas me couper si tu tiens ta peau. Oh non, monsieur. Peut-être qu'il ne nous a pas vus. Il nous a bien vus. Je connais Vance. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça dépend. Nous verrons.
voilà, il arrive. Salut, Vince. Salut, Jacques. Tu es venu te joindre à nous? Non. Je vais régler ça à la loyale, Jacques. Ça ne peut pas durer comme ça plus longtemps. Il faut que ce soit ou toi ou moi, alors... Lève-toi et retire cette serviette. Joliment bien, n'est-ce pas? Ça a traversé tout le continent. C'est de la musique. Je voudrais que Shaw puisse l'entendre. Il y a un long chemin de Salt Lake City à la plaine des Grilles. Mais je crois qu'il peut l'entendre. Yes, I've been living
guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two faces like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. Yes, I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me. Yes, I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. There's nothing that you can do. I hope you can see. Hey, what you working like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. They were the new Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot. Yes, I've been living inside of you. You hitting me. But I guess this time I set me free. Oh, I love you. I love you. There's nothing that you can do. Funny guy, no way, I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else. Yes, I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. There's nothing that you can do.